Allô, allô, allô. Monsieur le président de l'UFDG, monsieur le président élu de la République de Guinée, madame la première dame de la République de Guinée, mesdames et messieurs les membres du conseil politique, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif national, militantes et militants de l'UFDG, nous sommes présents ici ce soir pour participer à la sixième assemblée virtuelle de l'UFDG suite au blocage, à l'occupation du siège du parti et du QG administratif. La cellule de communication a innové à travers la nouvelle technologie. Comme prévu, nous avons à l'ordre du jour 4 points à développer. Le premier message de ce soir, c'est l'adresse du président de M. Cheikh Lou Dalein Diallo, président élu de la Guinée, au peuple de Guinée à l'occasion des fêtes de Ramadan. Ce message extrêmement riche qui parle de l'unité nationale, qui parle de la solidarité, qui parle aussi du combat mené par le peuple de Guinée suite aux différentes échéances électorales, qui a porté sa confiance à la personne de notre président, sans oublier aussi la question des détenus politiques qui a été abordée lors de ce message de vœux au peuple de Guinée. Il est extrêmement important que ce message aussi a aussi évoqué la situation des détenus politiques qui ont été libérés, mais aussi de ceux qui n'ont pas recouvré leur liberté. Au second point, nous avons, il a évoqué également la situation de celui qui était venu enseigner la gouvernance de M. Alpha Condé avec le slogan qui a été plagié à l'UFDG, dont l'ancien Premier ministre congolais a été trempé dans un scandale de corruption à hauteur de plusieurs millions de dollars. Cela aussi a défrayé la chronique au niveau national et international. Et cela a été une preuve au peuple de Guinée que cette gouvernance actuelle est catastrophique. Parce que ceux qui doivent donner les cours, si eux-mêmes ils sont poursuivis dans les dossiers de scandale dans leurs pays respectifs, je crois que ce gouvernement perd encore de repères pour redresser le navire Alpha Condé qui est en train de tanguer. Au troisième point de notre préoccupation, elle a été également évoquée le fait que la présidence a pris l'initiative de placer le secrétaire général des affaires religieuses, comme M. Alpha Condé aime le faire. C'est lui qui doit gérer la présidence. Il veut aussi gérer les questions religieuses qui sont prévues dans nos constitutions comme étant des questions laïques et républicaines. Cette décision fâcheuse qui a été prise aux 10 derniers jours du mois de Ramadan, parlant de Riyamulé les 10 derniers jours, nous avons vu les conséquences du fait que ça a été fait dans une impréparation totale, dans une improvisation. Il y a eu encore des soulèvements au niveau de la Haute-Guinée, qui était là jusque-là censé être le fief du pouvoir. Et le président de l'UFDG a fermement condamné les répressions qui ont été orchestrées du côté de Kouroussa, de Kérouané également. Il s'incline pieusement devant la mémoire de ces personnes qui ont été fauchées par balles. Il reste dans sa logique de défendre nos compatriotes dans tous les quatre coins de la Guinée. Il y a le dernier point de notre assemblée aujourd'hui qui parlera également de la question de libération des détenus politiques. Et cette question, Monsieur le Président, a été très serein et le gouvernement veut brandir comme un trophée de guerre, mais il reste très, très, très serein sur la question parce que ce n'est pas un privilège.
La justice a pour vocation de rendre la justice, mais aussi de faire des réparations quand il y a des manquements. C'est pour vous dire une fois encore, les personnes illégalement détenues qui ont été libérées, cela ne suffit pas et ce n'est pas une victoire pour l'UFDG. Nous souhaiterons que ces personnes soient rétablies dans leurs droits. Ceci dit très clairement que ces détenus étaient venus à la veille de la fête de Ramadan à l'invitation du président du parti. Ils étaient venus réitérer leur engagement à continuer le combat. Sans plus tarder, nous allons décliner tout à l'heure, après cette brève introduction, le déroulement du programme de cet après-midi. Au compte des interventions, comme d'habitude, nous allons profiter, comme l'avait signalé M. le vice-président Aliou Condé, de féliciter les communicants ici présents qui, tous les jours, n'ont ménagé aucun effort du matin au soir de continuer à véhiculer le message du président du parti, mais aussi sur les grandes orientations de notre grand parti. Donc, dans le déroulement des programmes, nous avons, au compte des intervenants de cette assemblée virtuelle du jeudi 15 mai 2021, les intervenants en langue nationale, 1. En Maninka, nous avons Alpha Omar Cissé, et qui est prié de se présenter ici au compte de son intervention en langue Maninka. Je vous remercie. Mbra président Selou Dalen Fouana Lamousso Adjali Matou Dalen Diallo, ani bureau membre politique de l'IFDG, ani anna député lu milsini anya kourakin paske kunya bani assemblée nationale mais lu boni yando mamino. Ambra militant ni militant ani sympathisant le Berfo, l'IFDG militant nana la sympathisant. Bi son karo brabant mamino mikenati. En kakan kadou wouke président Selouna la Moussou ani bureau politique belien albrabara minke sunkaro tumaro ani sunkaro la bano parce en kananina miye la guinée kunti minto ko alpha condé aleka la guinée delu ben manjala jilu molu kal ben 8 novembre mais président Selou kabara minke kadamuni felu ta ko wa hinalla kadira ka wulla kul la guinée delu wal fanandi alkakan ka todu men kono Hina kakan kadal fanama parce que hake yalukan anya ala matara ala iman saya dama anambara saya mimbara soro ala ala sama nan tambira yendo fana ko makabani minta meni du men kono santa alva konde man saro ko sunyali mimbara ke wo kado do toni al mayoro milie alwara sonta kongo kana wodi ko kalakran kwal kal femintoni atomintoni ko fananta ka wadi ko makabani ne wodi me albrani na kula ko duniya nyamin kanti duniya brat tambi 58 duniya ro abra avancé kongo premier ministre détournement milliard kanti o domante mena ka mafele ni mansa djusron na doumen kono duro ay wala mom militara mol mil keni so bilibilbadi awato lu fananta la kanadi kuka amade me dal gine na fuli min totoni ka fananta kalawa nambora endo fanan anka kan kanyalawa anna prisonnier lu ma doni alfa konde ko kwatyo yani akyo yani nte selu dalen cho yani aleli parce que Abraham Koufan Kamin Tamato Doumen Konoti, à la gouvernement, fait mission à Blou, côté la Tamana Vuyaro, Kokawa Mobi Worola Bla, Kobra Bla, Kwa Sewaloudi. Mais Anna Mansa, Ouéna Minkanti, à la
Atumani abara. La Guinée konofili la blu. Militant korote. Be albra e militant mil boni fono fanan. Ulbrana ka jira ka presidentiel ni militant belnye. Kokunu ambeletre. Kuna sini ambeletre. Kunu antre kasola ambeletre. Bi fana ambrabo. Ambrana ambran dante presidentye. Kwa nye ko. Fouwe ke mansa di doumen kono pasi tunya ili le blu. Obenye la silu dale nema. Albraye ko militant ni yamen kante anya jira ka alfa konena la manse alo ko mil toni yo fanan abra wul fanan to yaka wul mina dol bina ni yamen ka wul fanan bila to yale wul fanan bila to yale dunia to yo ni ka mo to ya atena bena me 20 presidentielu dalen anya sewaye kosobe kuma ninka kumata njeda ya ndomunu parce que tant de trait ala yesi mayani santé a di présidentielluma ani militant le ber ana le bureau politique jani saminato jani karomil nato mansa djume yandu encanté ala wulbe bon encan commencer la cesser d'allemand ana le militant parce que jama la Guinée voté na l'année. Merci, M. Alpha Omar Cissé. Je crois qu'il a été très bref. Il a réitéré ici le grand geste qui a été fait par le président Elhadj Mamadou Sellou Dalein Diallo aux démunis qui ont été dégagés, les handicapés qui ont été dégagés du côté de 8 novembre, à travers ses vice-présidents dynamiques qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette mission. Il a aussi fait une brève aperçu sur la question des détenus politiques et qui ont réitéré leur engagement à continuer le combat derrière le président du parti, sans oublier le cas de corruption, le cas de l'enseignant en malgouvernance, M. Matapogno, où il a également évoqué la situation, le fait qu'on a demandé son expertise en vol international de venir donner des cours à nos ministres de ce côté. Je crois qu'il a été très bref, il a terminé par des séances de prière, pour que le président Sellou Dalein récupère le fauteuil présidentiel. Sans plus tarder, le second intervenant, c'est M. Moustapha Souma, en langue nationale soussou. Okay. Bonsoir tout le monde. Je suis Moustapha Souma Matoto. Je suis le président Sellou Rebou. Président élu du peuple. Le 18 octobre 2020, président Mbari Rebo, on est grand membre de bureau Biri, militant et militante Mbari Rebo. On est vraiment au bureau Beto. Président de la Rémane Irato, parce que en Arabie, nous ira battu, ira colo. Ni colo, on est ira wali, on va bref fora. C'est mon nom de bille, mon affaire. Manga fallait bien. Non di nous voulons la fin de la tidi et tas bouma. Voilà, il voulait s'en ton maté. Non y escalier dans ce moment. Abbé ou le nom de Rafaela Menga est ton mon halati. Isallah. Faut adi. Rabel Ré non m'a dit Sogaya, m'a dit Mboili. Mais Mirim de la Ramon m'a dit Mboili. Et Menga est ton mané. Mise vraiment, il y a des amis qui bimbe. Biringa préparé, on a bien pris dans le fora. Alou on va à la fora canarama. On a gagné, on a gagné parce que Fébin va ou n'a pas le bon tagi. Ni nda pro gambira ki fora atam me ga conscience ga sara madine ge yaina na mate ne ge yam si tuma e belaga muna atani ne na hinna ma albatan num misra ba ma ko bidina ga somma o le ka ga école ti a hôpital ti anan to ngoma yakan ye bandi ne ge belaga fang asa ga conscience ra e mo so atam fora donc président ni le fang na famma ina mate ki na ga ti ga miskini na fang le gine kabir matu inu jemen fang to ni ani misang ne mbare ni mbare bore kasoro fofona be en tant que premier ministre docteur en économie il tant que premier ministre pour ibe tongu pays betama agafani kara e pays ka développement kara wota ni nes gamana kine mon vrai kasoro ti dem grand tam maji gouvernement tant que dire que docteur en économie to kabiri na sam nga ngane ko itu 200 et quelques millions de dollars dit va ye grande bi avant que grande mu ngati de ne ba kabari garande ne alko pays développement kinara non non wo non di valo mbourbe bi nga méfié de wo nga wo préparé
je vais y aller des mungatiki nana mungatiki lorsque on va des bénéga enna t'es mon dala en ranali si les nala maganima disons quoi qui kenra mbasse gadeya y a rebita le menga marigi enna qui est kendenge pédasul ma menga pasto on nous jamais on a refait des tenues politiques to enere bénéga ni la ringera pourquoi ni la ringera mara koloita mon appel de vorage eva et raibani sadi ita si mora bageli imini imusi de kam mansuna ila ina wanda won afekiri mugbele mefora nusu kutwege nankwi ikuraj na kantungu inara ba mbara mbakande benasi manu cheta la na famfima manga vola president be yimi donga fambiri na na yeb dj biringa yati nera wombira president fokora kana ga isi wona won yati nera men ne na kanda bari wallahi president famana rapport musodi woni gemeni to legen adito wanda na kana beki mumma imakulu birin toroto sese marsebe legina kuto ini debi himu wuli fala inondi na falama moral leader moral cadre na gelito muna musa des fois ye mukini kini emuhin na sonwar binditi habara doye seri bana geli Ousmane Gawal Abula Bade Kinia Selu Balde etan sur poki ye mukini kini emuhinne ita mbindi mbanya ko ina so bangi kui iyeta kambala bangi kui pendant toute la journée imini itoro mala gal nakamma mi ge sun wor bin reba jeli kui imuhinara oda wona ta ta oda mbaye ala kolo ye mala kolo mba wona ba won fa ko mbala sun bula lo fa bara kina ke won ga continue combat ba fima president ahamenge ha alti afa mona stodi won na fora fekere na won ga kolo alba konde president lu ka kolo to tank alfa nya ko mayna ka groupe ngota alfa fini era nya ko makina ngoba alfa mana kini abadan ngombil ma fora donc na ara ina fa miskini ka kote ni vraiment toné ya mayon benu ikasike kase ya kay ka conscience ra aso miskini ira donc mbara ko le président vraiment ita une ita ba genni le 18 octobre wallahi ni la gara mal la gira wallahi ina fini mengera ita ba mi conscience garre i wol ma miskini nambe donc Allah na sike o mbirim bayari nana ha wa itungu comme ngum gagara ba de tout temu de prochainement mbamo we falde akiamo lo wandi nana ra. Merci Mustapha Souma, c'est un des communicants du parti. Il est très actif au niveau des auditeurs. Je crois qu'il a été aussi très bref. Il a réitéré son engagement derrière le président du parti, mais aussi il a évoqué la situation humanitaire qui a été faite par notre grand président, qui a pensé en cette période de crise économique, de crise sociale, à faire un geste du côté du point du 8 novembre aux différents handicapés qui ont été victimes de déguerpissement. Je crois qu'il a aussi évoqué le fameux Premier ministre congolais dont l'expertise a été louée, dont je ne reviendrai pas là-dessus. Et il continue toujours à croire, comme la majorité de nos compatriotes, à la victoire du président du parti, et que cette victoire n'est que différée, que cela sera récupéré dans un très proche futur, parce qu'aujourd'hui la situation est catastrophique dans tous les domaines. Donc, sans plus tarder, nous allons interpeller le troisième intervenant, M. Aliou Kona, qui est de la cellule de communication. M. Aliou Kona. On a kiaké minko Aliou Kona Balde minete comme membre cellule de communication IFDZ. Monsieur le président de l'IFDZ, monsieur les membres du conseil politique, monsieur les membres de la direction nationale, chers militants de l'IFDZ, Kori Onjouli et Diam. Allah tawhara Onjouli et Diam. Feundo ko tawata djoulu gol soumaye on hikka wanani en djuldere burnde satu de djuldeje fejjude di dubi do fo ko tayno woni lando laami do en on wawata en timminande piji din fo ko du watta ha e weltanto president mengon sabu ko be neldi be yimbe be tawata timma fota ka po 8 novembre ko be wallitora fi soumayon haray sen fejji fi affaire djuldere den e yewta fi o premier ministre congo
mo be addi ka men do yu arjanana en gouverner autrement idon andi premier ministre Congo o woni no premier ministre ka mabbe ton duubi tati e der din duubi tati ko laami ton o yawno halfina ko wiyete parc agricole yo kipputon dumanno e be moyina ton e der ko halfina ton ko o wawno detournude plus de 200 millions de dollars américains hare ko dum o ari ga o fini yimbe membe nga donc himo yeyi o arta e de balde dartangolbe kadi haray ko dum don woni finu de departement ji din di fop majji ko dum do wona finede so ndari don andi oya honno président mengon ko woni nyaamude nyallal gotal pet c'est ko touré ya c'est lolo budget alpha conde ko woni nyaamude kon c'est lolo budget o mo be sakiti wotude do ko 1 milliard 400 millions de francs guinéens dum no waywa 1 million de dollars américains nyande o nyande donc ko nyaamata kon kanko tun e der 11 jours dépassé budget tourisme ko nyaamata kon e der 20 jours dépassé ministère de l'enseignement technique et wata débattu den nofo donc e yaaka tobere tamere dum ko fek secrétariat général des affaires religieuses on andi alpha conde bay tawi mawbe ben hikka immino daditi dari be inni wondema e men tawaka e toñe maden fi affaire 3e mandat o jetti affaire religieuse on rata si ka présidence ko dum wadi ha e galdo kanko tigi o décréti o inni wondema qiyamou layli wattaake ndare non joni nafi lo ko tawata yimbe temedde njow are djumaaje den taw yimbe wulure are nyande julde tum ko yimbe njelo ye fotti juli ko njelo woni fottude madina nyande o nyande alpha conde tay haaja kay dun don fow ko bay yimbe chapande njow fotta e 1h 2h du matin fi yewtugo lombe toro Allah fewno ko Allah jabinta don o tay wata be torano mo yo iw e de balde bay non o yi way woni ko dum wadi ha o tay o satten fi dun do haray en wa ko watti don tobere sakitorde den ko fi prisonnier politique on don andi alpha conde no nangi yimbe kinnapi be ka cuudi mabbe 1h 3h du matin o nangiri be wa bali wa bey bay mo jogiti fellaybe yamira kay mo jogiti jonnete be mbudi ya fella o nangi ben o jogiti e de balde o acciti 60 personnes e der ben himo sikkude non e der on 60 personnes o okkube kado jogito da goddo 6 mois si tayno ko pays de justice non ben non ko doanobe jonnede mbudi fi sabu ko be jogita priva liberté mabbe on e der on 60 e der on balde lebi jeego kon alpha conde wata e wadande dun don ko wata e wadande ko nangugol ben don jogitobe ha o anda ka falama accutude be waccitabe be luttube kadi mo jogitibe ton fi mi jagol wada be cioggu pri mantora au niveau international accutirabe seeda seeda parce que wala preuve nok ko honno kanko o wawata innirde tribunal des enfants jonniti tribunal de dixing wana sellu balde wonno do labbe fewno nangete est ce que tribunal de dixing no woni competent nangugol goddo won janodo ha do e labbe ma dum ablay ba wonno do kindiya donc en ala jonu de fota ko en immo dadito den daro den fi yo gonga nyibe leydi din gonga non nyibi wotuma mo kala e men andi ko kanyu wana toñede mo kala e men andi ko kaari toña kon ko kaari wana warede dum kon si mim immaki mi dadi jango ko mim be arota be wala hada yon jarama Allah musalli wa sallam merci monsieur Aliou Konam je crois qu'il est revenu à peu près sur les mêmes commentaires que ses prédécesseurs sur la question du renouvellement de sa confiance au président du parti, sur la situation de monsieur le fameux premier ministre qui était là dans son cadre de cours, mais aussi il a mis un accent particulier sur la question du fait que la présidente de la République a près de 500 milliards, et je crois que cela préoccupe beaucoup nos compatriotes en cette période de cherté de vie. Donc sans plus tarder, nous allons interpeller le quatrième intervenant, Monsieur Prince Ninamou, qui va intervenir ici sur ce plateau. Nanda Nene. Kayikwen. Kayikwen. Kayer Gotomu Seluma. Blaniama. Kayer la non encore à Dihiboa. Go bon fait. Oma ah ba ke le nya obu len ho ho ho
ko difference klinga le no le luninga du e zuklo nye mono ya buna kweme no nga dinye hu na do keka ba de pe nyawu iya gaso a nyihu megi ngo le luninga ni ya bo e ga akoro nyo hoken ma eli e daga nye pu no nga du po o ma iya horbu nye yaka ma horbu ka futuma ka hotuma e pira ka hotu la magi mopi malan bo ele mi ngwana ka lakama ya bo pa ma ma ko mata kapo yirma blema ngama ka ha kamma balka balka wa hina alfa konde akuno poka tolama gi apani no pbe ka guye vraiment la gini no nga meme keke akunia bo keke hara hegen akuno poka aga ngumo no bodu gale eguzu me ngwana no bodu na bia ba hale di hutu ka hunya me no pe baga zou kwa yabo ken kuno pogu hopea ekuno balalama ken da ka ken namagi ke les ou ke vraiment ke le nyawo buka ha ale a me pere le reme yabo elia ene he ha kongo kepla ken we pa e o bahana mano age e dinya e de karan balke ke non aka ka hakke ka hi pa lere me balba ni hege ganu ko ye ni a vraiment de remoi ke li se ke pa e la ko ke non ama me be mu kal mum nyega ni mum mu pale mar non anya wo boni mum mu pale non ama ko ni be a mu ke ba papa nu ma ko mo no ke ma ko ma ya ga guna mang donc mo no usu akana gwa hegna ya ba kapona hebu no hebu mema guzukro ye gululuninga yo dagulanulinga da ihe no ha nupu haba da ga logbe hui ya bi ka ma destin nu de destin no pu be ka bo e ma le alama ke ngulanga ma ye ya bo e kenye nta hope ma ga ha lin moske mu ha prieke yirmagi e ngwana no ngama e ngwana no ngama ho gena nere e ma keke menobo keke decide ngi mais vous vraiment un hier non hein n'y a qu'un hier vraiment est-ce que naya n'a pas qu'à mélérer mais où gagne haute Guinée non à tout mais malhomme est à ma la non à ma non à ta gare du Napoli il mange à la et du hier ne retarde pas quoi que na qu'un démocrate babie gangue d'accord démocrate manébo mais nos pères avec tes collègues ou liberté kanon paye ke epe yi awe mure mo mais e non a ho du to ga hwenya do me no petakani do fe no petakani e du to ga hwenya bate ga danga mai hona henya ni ka ko ni ka nuglo ma ho ro ba ga bo moduma Ousmane ga wan na kri ka hwenya le bobo duga do me no petakani do me petakani do droit bo du meke gwal gwa fot ke notom nga ho ro bo na ke notom nga ho ro bo et que gahale bakenye bi ba horbo kere guhanga c'est un peu gugnya ponga le guga vraiment que bi bo horbo ke gwaga mais ho gani donc yirmangi muato musulma nyam nga hega lora nga zuklo ni ka le plein pour le nu pote ni ka klo nu glo mais a bag fo e go fore nu glo c'est un peu ka ni climat nous na non a domaine klo yirbo gani ya kenya ni naponya ni naponya kire ni naponya tina ha elezu le yage penya ubon donc ngatigma ka ha merci le prince Ninamo c'est aussi ça l'UFDG c'est notre capacité toutes les langues du pays et cela prouve davantage que nos détracteurs qui ne vont que sur ce terrain se trompent d'adversaire. Nous sommes un parti transversal qui tend la main à tout le monde. Nous remercions M. Ninamo. Une adhésion du nom de M. Samuel Kourouma qui est parmi nous, qui est un secrétaire, ex-secrétaire des affaires électorales du côté du BL. Je lui prie de se présenter ici devant le présidium. Monsieur Kourouma est là.
C'est Samuel Kourma, non? D'accord. Vous êtes invité ici à prendre la parole. Chers membres militants et responsables de l'UFDG, c'est un honneur pour moi ce soir d'être devant vous pour officialiser mon adhésion au parti l'UFDG. Quand vous vivez dans un pays comme le nôtre, où les libertés démocratiques, les bases fondamentaux des droits de l'homme, la division, la médiocrité règnent en maître, militer devient finalement un devoir patriotique. C'est la raison pour laquelle, il y a plusieurs années, je me suis lancé en politique. Et dans cette marche, j'ai eu l'opportunité de croiser le président Sélou et tant d'autres responsables du parti qui, pendant 10 ans, n'ont cédé à se battre pour défendre ses valeurs. Ces valeurs, deux fois au prix du sang, de la sueur, de l'humiliation. Mais aujourd'hui, le bon Dieu nous permet d'être là pour se joindre à vous pour continuer ce combat. Je viens officialiser cette adhésion pour me joindre à vous, aux milliers, aux millions de militants, aux responsables de l'UFDG, pour apporter ma modeste contribution. Nous sommes dans un pays où la neutralité est en train de biaiser le débat politique en Guinée. Beaucoup d'entre vous, peut-être sont sur la toile en train de regarder cette déclaration, je vous demande de prendre une décision sage. Parce que la Guinée est à la croisée des chemins. Nous ne pouvons pas rester neutres dans nos coins. Nous ne pouvons pas créer une autre dynamique. Il y a déjà une dynamique qui est en place. Cette dynamique de l'UFDG, rien ne peut l'empêcher. Même la fermeture de nos permanences, nos bureaux, la raison en est que nous sommes sur les réseaux sociaux aujourd'hui. L'Internet nous a permis d'être vus. Le monde entier, les militants sont en train de suivre cette Assemblée générale. La valeur d'un homme ne peut pas s'imposer à la volonté de Dieu. Je vous remercie et je vous souhaite bon courage. Ensemble, nous irons à la victoire. Merci. Merci M. Kourma pour ce message solennel d'adhésion aux idéaux du parti, mais aussi à sa détermination à continuer ce combat politique. Je crois que ça fait partie d'une des causes de la fermeture de nos sièges, parce qu'aujourd'hui, il y a assez de personnes qui sont dessus de cette gouvernance, et les adhésions allaient se suivre, et cela constitue une très grande faiblesse pour le système, qui verra assez de gens se mobiliser venant de tous les horizons du pays pour venir réitérer leur engagement au combat politique mené par le président du parti, Elhaj Soldan Len Diallo, qui est toujours constant dans sa position. Et sans plus tarder, je crois que nous avons parmi nous le porte-parole des détenus politiques, qui M. Sako Ibrahima Sori, du côté de Kanum Temineta, qui a été victime, qui faisait partie des invités du président ici il y a 2 jours de la fin du mois de Ramadan. Et je signale un message du président de l'UFDG qui pense qu'il ne faut pas qu'on se réjouisse vite le fait qu'il y a eu des élargissements sur la libération de certains détenus politiques, parce que le pouvoir pourrait utiliser comme une arme efficace pour condamner d'autres. Et cela, on voit de façon très claire que du début à la fin de la procédure, c'est un procès politique. C'est M. Alpha Condé, le juge d'instruction, c'est lui le procureur, c'est lui qui donne les grandes directives, et il est serein que la pression qui continue ça et là, parce qu'il est là, c'est un homme qui a un grand réseau au niveau international, les coups de fil, les échanges des mails et autres. Les conséquences, nous le savons, parce que la rubrique internationale va nous témoigner de tout ce qui a été fait comme effort. Sans plus tarder, M. Ibrahima Sori de Kaloum Sako se présente ici pour témoigner de ce qu'ils ont vécu pendant leur séjour du côté de l'hôtel 5 étoiles de M. Alpha Condé à Koronti. Bonsoir. Salam Moumoud. Salam Moumoud. Ouraketoumbe ki fayra. Ndara nabi, engulne Ibrahima Sori Sako.
communément appelé au quartier Timinata et Kinani. Oui. Bon, il n'a pas de temps, il n'a pas de temps, il n'a pas de temps, mais il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Il n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Et en tant que l'événement finalement, parce que je suis UFDG fait Tongo, bara UFDG fait Tongo, alors je suis en train de lutter, engagement Tongo UFDG. Parce que en tant que Kalumka raguru naga falama munkulum lut bekbinan naba mamba lut bekbinan naba mais mutan lutte ma professionnel ne mumu geme wulima mumu si kanama mumu finya grabama mundu lutte c'est pour mobiliser munyama biri mobiliser alko UFDG no magaende kidere n'engagement tungone mi bekbinan na carte nere naga UFDG gaye mané muman naga yimri bekbinan na nga finri parti mi rumbira mudé ma sarane na engagement tungo na UFDG gay mané man na fala section mairie ba UFDG kalum ne ram fin de superviseur alko noma to isa de fin de makinere bureau de vote qui al man na ra gire na ram fin de nara na ran débati fegbeg bira na ran noma nyé de fin de mon noma ba de bureau de vote qui kinere mais na remarque qui mu gemé woli mu pinoga mu sisraba non bati fine pour que UFDG noma gay de kinere. Et tout remarqué na kuy mbar febek bi fayra ba mi re mobiliser ma fira ba ma biro de vote et surveillement ena re nyoko sangom election na ba lo gona na ganyom seni woyeng lo gona na semaine kuy le 25 kuy ba ma le 26 ma 4h du matin na ga beri rouge to ngoy dera en grand nombre plus de 4 pick-up enati ena manade mo konkon mais ma na ga gunu ma guiné na ran na mini di na mu faré tiri mu sisira bari mu finya yoro bari na reske ma lu manga mini nga matu na sinana pour que na amana de offensé comme ntan woy véranda na nana kondoy sarna juste na mini na ti na véranda ma et na fin karitina et na mini na petit ndérili et na na mogore na eska tanaya et na kinana tanaya ni na yu atanara. Et Thomas et Menina, ne peut pas nous faire des murs 4h du matin, au rasso, au nom de ce quartier, au raquet des filles. Citoyen, nanana, nous m'a répondu de partout, parce que nous m'avons fait un rabat. Et nous avons un minimum de répondu. Nous avons une décision, nous avons un condo et cana, et nous avons tiré, et nous avons un auto, et nous avons un DPZ. Et nous avons un DPZ, nous avons un et nous avons un mini, nous avons un auto, et nous avons un et n'a rambé quel que soit le problème parce que mofrinan na kalum kabiri na dpz na langue sadam ma quarantine monu nana nunana mais et n'a na beny et n'a kankanta manta mono ma bendi ana rangli na ran afungara dangne forcé na ran nan sira bari na ma gore interview ma na explication birimfi na ran dangri en sour fi na ram na na explication fi mais na réunion na be buru tagi et na fla funga dangri na le 30 octobre et na rendre déféré sur les maisons centrales qui mena sensibilisation na bana bi recensement tout là je suis seul kalumka na na maison centrale na en souri mona dimanche là ba allo parti démarche ne rira ba mon rafira mona bebe même anu ngi nyoko sa fi gi sungori fana bandi na kan sigamana sinéris kamana ra sous détenu politique ira mutana nu nous kenons ça du nan yoro sari me reservifira alko parti me ribiringa soto nana délégation yama nana responsable yama fe bebe dangina fayrana mwala magandi mané parti be mwala magandi mané parti be anaran na ba ala ga continuer naki ala ga seludaleng ala ga ramengara bilama manno manaran sadi na fari fe bebe nyari bara mu masto meni muna adende ga tuiki moi walde bar perdu mutan tam sutun tam bore birimbe kolo ma walde bar perdu na en tam ma salaire bloqué net depuis tant sous l'enre les mêmes délégations na siga isa ma fiña ri fala walde parce que tam musso mai partira et na ma salaire bloqué ma bang sariat muna fima na délégation na birin na bar ne na magine siligege atam parti mirinde ya na kobri fima fo kayat me ram magine ra minitandi
na fini ne fi bigbira na ma story na gele kui nuranse mande me antoro mane me sembe mu na me no mana na badi na fi bigbe ma story ne o no ma exemplaire tunguli ne rebirin quartier tim na tailira birin mfe na ram birin na bar UFDG fira ibiasi a fini re exemplaire nana section me rebirin na wal sarne et birin farne fora e fan na compagnie comme en barangete soto mara mini xeri nyalang ci ce mon tour fe bigbe na ma parti bara mo mali fe bigbe ra parti manga assembe sa parce que on a vlo nga louyer etama et ramou de dommage parce que mo mini ne non louyer mo mbara mini mo mbara mo yata so mo fe fera bari et mo no ma moura fira bilinde mo ma pour parti na manga assembe sa findi ne re mo ma toro ri et no ma mo mali de ki na re na findira mais menge seta mo no mara moular na tanna manga ma sem parti me ribirimbe na ramu UFDG fe sou imanga sou mu ya kan katenu tore na kan to parce que ntan sou den dere geli kui na mir fari sa ma den dere musar menne mu mun na buri ya made mun na menne mais mu tore na ram birin sto anyi 6 mois et quelques a mu mu fini me li man ya ram la to mu no mati de beto nga way parce que ne ti ben way mirin de mi ram ma yo manana na mais mu na tore birin ngane ngane mu man bara mini mu man la gara moi engagéri parti ben moula gara moi wa soufi parti ndal la guiné kana nana ntoma goro yi ki man kana nana je m'appelle Ibrahima Sow Sako ngara matoule gallo mama forestier mena la guiné kana nana muno mi yo gredé mfula wi fala ma man ka wi fala ma soso wi fala ma na sibiri fala ma nga ma sou bel la guiné ka pur nana o nga o mbela ka so mburu ira vraiment o nga mbura compagnie muna yo fdj fora salalah. Nous venons d'écouter ce témoignage très émouvant de la part de notre ex-détenu politique, M. Sako Ibrahima Souri. Dans sa narration, il a rappelé qu'il a été un militant très actif de l'UFDG au niveau de la commune de Kaloum. Il a pacifiquement mené le combat de ce côté, sans violence. Il a été très actif pendant le processus électoral pour essayer davantage de surveiller les bureaux de vote et de faire échouer la mascarade qui était préparée de ce côté. Et je crois, à la veille, dans la nuit du 25-26, compte tenu de son engagement politique et de sa conviction du côté de l'UFDG et de son président, il a reçu une visite des Bérets Rouges, qui était venu armé jusqu'aux dents, venir lui pointer une arme pour l'interpeller, notamment. Je crois que cela est une vice de procédure sur la question d'interpellation dans un état de droit normal, parce qu'en Guinée, c'est tout sauf un état de droit. En lieu et place des convocations et des perquisitions autorisées par les juges, on utilise la violence, on utilise la force, parce que l'objectif, c'est d'humilier la personne qui a soutenu le parti, de lui faire rappeler son seul crime, c'est d'être à l'UFDG, c'est de soutenir le président du parti. C'est pourquoi les méthodes d'interpellation sont musclées. On a vu, même nos vice-présidents n'ont pas été épargnés. Il y a eu un kidnapping en lieu et place d'une interpellation conformément au respect de la procédure judiciaire. Cela est très déplorable. Ce jeune a rappelé les conditions de détention qui étaient très très dures parce qu'il a été mis dans les mêmes cellules que les personnes qui étaient interpellées pour les cas de crime de vol à main armée. Et cela est encore une autre violation. C'est que du début à la fin de la procédure en cours, il n'y a aucun respect des questions de principe et de présomption d'innocence, de question des principes de respect de secret d'instruction, mais aussi de l'immixtion flagrante de l'exécutif dans le judiciaire. Donc, il a rappelé tout ce qu'il a eu comme conséquence sur le concessionnaire qu'il a logé, la pression faite par le pouvoir. Il a perdu également son salaire parce que son lieu de travail, vous savez, dans ce pays, c'est un réseau. Quand vous êtes de l'UFDG, comme on le dit souvent, il faut abattre psychologiquement la personne, il faut lui faire regretter amèrement son acte de soutenir le parti et son président. C'est pourquoi il y a eu assez de manœuvres de ce genre sans respecter sa dignité. Donc il a aussi loué les efforts qui ont été menés par les cadres du parti dans le cadre d'appui, d'accompagnement pendant ce séjour qui n'ont pas été oubliés. Il réitère également aussi l'appui de nos cadres pour la continuité du combat, pour la récupération de notre pouvoir. Donc, de façon très brève, Monsieur le Président, c'est ce que voulait raconter notre jeune Ibrahima Sory Sako.
Donc je prie de l'applaudir son courage et sa détermination. Donc je crois qu'il y a le côté tradition, la version anglaise de M. Kourouma. L'international. C'est ce qui... Non, oui, Konaté, viens, Konaté. Oui. Au niveau international. Grand modérateur. C'est bon, je n'ai rien détruit. Bonsoir à tous, c'est toujours un honneur pour nous de vous servir tous les samedis quand il est 15h au compte de nos différents numéros de notre Assemblée Générale virtuelle. Comme on a l'habitude de dire, un gouvernement de la République qui attise la haine, qui méprise les plus faibles, qui divise et qui laisse agir impunément les assassins au sein de nos forces de défense et de sécurité, c'est un gouvernement inique, antidémocratique et rétrograde. Après donc le coup de l'État constitutionnel du 22 mars et la confiscation du pouvoir après le scrutin endeuillé de violence du 18 octobre 2020, les poussistes constitutionnels sont aujourd'hui isolés, abandonnés et mis sous le ban de la communauté internationale. Une série de réactions s'en est suivie après donc l'OGDH du côté guinéen, FDDH, Human Rights, le secrétariat d'État américain, 32 eurodéputés ont saisi leur commission pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les graves violations des droits humains en République de Guinée. Et M. Borrell a daigné répondre à leur lettre que nous allons vous lire le contenu tout à l'heure. Joseph Borrell Fontel, haut représentant, vice-président de la Commission européenne, Bruxelles le 12/5/2021. À tous les députés européens signataires de la lettre sur la situation en Guinée. Chers membres du Parlement européen, j'ai lu avec beaucoup d'attention votre lettre sur la situation des droits de l'homme en République de Guinée, consignée par 32 membres du Parlement européen. Je partage vos préoccupations à bien des égards et à l'Union européenne, et l'Union européenne continue de suivre de près cette situation critique pour laquelle elle est restée constamment engagée et n'a cessé de déployer ses efforts de médiation, notamment en coordination avec la CEDEAO, l'Union européenne et les Nations unies. Dans la déclaration du 20 mars 2020, l'Union européenne a déjà mis en garde contre le contexte de polarisation extrême entourant le double scrutin du 22 mars 2020, élections législatives et référendum constitutionnel, et ne considérait pas que les conditions d'organisation d'un scrutin sérieux et pacifique, dont le résultat pourrait être accepté par tous, étaient réunies. Comme vous le savez, dans ces conditions, l'Union européenne a renoncé à déployer une mission d'experts électoraux. Dans la déclaration du 20 mars 2020, l'Union européenne a dénoncé le climat de forte tension dans lequel s'est déroulé le double scrutin du 22 mars, entaché de violences ayant fait plusieurs morts et a jugé inacceptables les actes de violence et l'usage disproportionné de la force par les forces de sécurité. Le caractère non inclusif et non consensuel de ces élections et du registre électoral qui a porté atteinte à leur crédibilité a également été dénoncé. Il a été noté que l'absence d'une mission d'observation régionale et internationale comme reconnue remettait également en cause la validité du processus et que les divisions intercommunautaires se creusaient dangereusement. L'Union européenne a réitéré son soutien aux initiatives de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour réhabiliter le processus électoral, désamorcer les tensions et rétablir le dialogue entre toutes les parties prenantes. De même, dans ma déclaration au nom de l'Union européenne à la veille de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020, j'ai indiqué que l'approche du scrutin, l'Union européenne partageait les préoccupations déjà exprimées par les acteurs régionaux et internationaux quant aux conditions de sa préparation. J'ai appelé à éviter la violence et la détérioration de la situation avant, pendant et après le scrutin et réaffirmer le plein soutien de l'Union européenne à toutes les initiatives de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, de l'Organisation internationale de la francophonie
pour désamorcer les tensions et rétablir un dialogue entre les partis en vue de renforcer le cadre électoral. À la suite de l'élection, l'Union européenne a pris note le 27 octobre 2020 des résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Toutefois, l'Union européenne a estimé que des conditions subsistaient quant à la crédibilité du résultat, question auxquelles il conviendrait de répondre dans le cadre d'un dialogue inclusif et de poursuivre le processus de validation prévu par la loi. L'Union européenne a condamné une nouvelle fois les violences qui ont causé la mort de nombreuses personnes. Elle a exhorté les autorités à mener des enquêtes indépendantes afin que la justice soit rendue dans les meilleurs délais. Le climat post-électoral est resté tendu. Le 18 octobre 2020 et le 21 janvier 2021, l'Union européenne a déploré la mort de plusieurs militants politiques, M. Mamadou Houry Barry, M. Roger Bamba, qui était en détention provisoire à la maison centrale de Conakry, après la mort d'Ibrahima Sow et de Mamadou Lamarana Diallo au cours des mois précédents. L'Union européenne a exhorté les autorités guinéennes à mener une enquête indépendante afin d'élucider les causes de leur décès, rappelant qu'elles considèrent le respect de l'état de droit comme une priorité du nouveau mandat présidentiel et demandent la libération des prisonniers politiques. Quant aux auteurs du massacre du 28 septembre 2009, l'Union européenne a toujours exigé qu'ils soient jugés, ce qui n'a malheureusement pas été le cas à ce jour. 5 personnes impliquées dans le massacre, qualifiées de crimes contre l'humanité, font l'objet d'un régime de sanctions individuelles de l'Union européenne, interdiction de voyage sur le territoire des États membres de l'UE et gel des avoirs qui sont détenus. Le renouvellement de ce régime de sanctions sera examiné en septembre 2021. J'ai demandé au CIEF, Service européen pour l'action extérieure, de poursuivre le dialogue avec les autorités qui nous ont informé qu'elles seraient disposées à organiser une nouvelle session de dialogue politique avec l'Union européenne. La dernière a eu lieu en janvier 2019. Un tel dialogue serait l'occasion d'aborder les questions de gouvernance et de droits de l'homme en Guinée. En outre, les priorités ont été annoncées que le mécanisme de dialogue entre le gouvernement et l'opposition, opposition parlementaire et extra-parlementaire, y compris l'UFDG de M. Sélou Dalène Diallo, récemment créé, serait bientôt activé. L'Union européenne suivra et réévaluera la situation à la lumière des développements futurs. Veuillez agréer, mesdames et messieurs, l'expression de mes sentiments distingués, M. Joseph Borel Fontaine. C'était donc le courrier-réponse de M. Borel suite à sa saisie par 32 eurodéputés sur la situation de grave violation des droits humains en République de Guinée. Je vous remercie. Merci, M. Konaté. Je crois que cette lettre-réponse est un témoignage de la grande diplomatie menée par le président de l'UFDG. À vous rappeler qu'il est vice-président de l'International Libéral, qui est un réseau extrêmement important, dont il y a beaucoup d'anciens présidents de lui à travers le monde sont membres de ce grand réseau. M. Alpha Condé pensait isoler le grand parti et son président, mais dans son salon, M. le président élu de la Guinée fait une grande diplomatie et je vous remercie. Nous allons passer la tradition en version anglaise à travers M. Chamiel Kourma qui fait son entrée, son baptême de feu sur le champ. En anglais. Voilà, on lui offre. Good evening, good afternoon to all. Good evening and good afternoon to all. Many international organizations, European Union, Human Rights and other manies are monitoring the critical situation in Guinea. In last, we have the letter from Mr. Borel Fontaine, the higher commissioner and vice president of European Union. He said that in this letter, to all members of parliamentary signed the letter of the situation in Guinea, dear honorable members of European Parliament, I read with great attention your letter on the human rights situation in Guinea, co-signed by 22 members of the Parliament, of European Parliament. I share your concern in many ways, and the European Union continues to follow closely the critical situation, to which it has remained constantly committed and has not ceased to deploy its mediation efforts.
Nostrali, in coordination with ECOWAS and African Union and United Nations. In the statement of 20 March 20, the UA already warned of the context of extended polarization surrounding the double ballot of 20 March 20, legislative election and constitutional referendum, which could be accepted by all members were not met. As you know, under which condition the European Union refrained from deploying a mission of electoral experts. In the statement of 26 March 20, the UE denounced the climate of higher tension in which 22 March double ballot has been held, marred by violence causing several deaths and detained unacceptable the act of violence and the disproportionate use of force by the security forces. The undenying their credibility was also denounced. It was noted that the absence of recognition, regional and international observation all call into question of validity of the process, and that inter-community division were growing dangerously wide. The UA reiterated its support for the initiative of the Economic Community of African States, ECOWAS, and African Union, and the Organization of International Francophonie to rehabilitate the election process, refuse tension, and re-establish a dialogue between all parties. Similarly, in the many declarations on behalf of UA on the eve of the presidential election of 28-2010, I stated that as the election approached, the UA shared the concern already expressed by regional and international actors about the condition in which it was being prepared. I call for the avoidance of violence and deterioration of the situation before, during and after election, and reaffirming the UA full support for the initiative of by ECOWAS, Union Africaine, United States, and Organization of Francophonie to refuse tension and re-establish a dialogue between the parties, which I view the strengthening of the electoral framework. Following the election, the UA took note of 27 October 20 of the provisional result announced by the Independent National Electoral Commission, CENI. However, the UA considered that question remained as to the credibility of the result, question that has to be answered in the context of an exclusive dialogue and the continuation of the validation of process provided by the law. The UA once again condemned all violence that caused the death of many people. I urge the authority of carrying out independent investigation to ensure that justice is done as soon as possible. The post-election climate remained tense. On 18 December 20 and on 25 January 21, the UA deplored the death of several political activists, Mr. Mamadou Ouribari, Mr. Roger Bamba, who were in pre-trial detention in the central prison of Conakry, following the death of Ibrahim Asso and Mr. Mamadou Lamarana Diallo in the previous months. The UA urged the Guinean authority to carry out an independent investigation to clarify the cause of their death, recalling that it considers respect for the rule of law to be a priority of the new presidential term, and call for the release of political prisoners. As for the perpetrator of the 28 September 2009 massacre, the UA has constantly demanded that their trial, which unfortunately has not been the case to date. Five individuals implicated in the massacre qualify as a crime against humanity are subject to an individual UA sanction regime, ban of travel and territory of all member states, and freezing any assets held there. The renewal of this sanction regime will be reviewed in September 21. I have asked AAES to pursue a dialogue with the authority, which has informed us that they will be willing to hold a new session of political dialogue with the UA. The last one was in January 2019. Such as the dialogue will provide an opportunity to address governance and human rights issues in Guinea. Further, the authority announced that the recent created mechanism for dialogue between the government and the opposition
parliamentary and extra-parliamentary opposition, including Mr. Selu Dalein Diallo of UFDG, would be soon activated. The UA will follow up and evaluate the situation at light of future development. George Sanseri, Mr. Joseph Borrell, Fauterel. Applaudissements, merci Monsieur Kourouma. Merci pour cette allocution sur la lettre de réponse de Monsieur Joseph Borrell. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire l'invité spécial, la Fédération du Ratoma 1, et Monsieur Selou Kansala Diallo, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président de l'UFDG, Président élu de la République de Guinée, Madame la Première Dame, Monsieur les Vice-Présidents de l'UFDG. Permettez-moi donc à mon nom personnel et au nom de l'ensemble des responsables et des militants de l'UFDG de Ratoma 1, pourquoi pas de Ratoma, vous souhaitez une très bonne fête de Ramadan et souhaitez à l'ensemble des militants et des militants de l'UFDG une bonne fête de Ramadan 2021. Souhaitez également par la même occasion ou plutôt formuler une prière par la même occasion que le Tout-Puissant pour tout ce qui est dans le mois de Ramadan, qu'il nous débarrasse de cette gouvernance, de cette mauvaise gouvernance que nous endurons depuis 2010. Qu'il nous débarrasse de ce monsieur qui se moque de nous, qui nous manque du respect, qui va jusqu'à manquer du respect à notre élite. Monsieur Alpha Condé a osé pour nous montrer qu'il n'a pas de cadre dans son parti, pour nous montrer qu'enfin il a échoué en plus de plagier notre slogan de campagne de 2015. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit qu'il faut envoyer quelqu'un d'autre dans notre pays pour enseigner au gouvernement guinéen comment gouverner autrement. Mais aujourd'hui, nous savons que il n'était pas venu enseigner comment gouverner autrement. Il est venu, c'est pour enseigner comment détourner autrement. Puisque nous savons tous que il est aujourd'hui rattrapé par la justice de son pays pour des faits de détournement, attention, et d'association de malfaiteurs. Donc Alpha Condé a pris un malfaiteur pour nous envoyer former d'autres malfaiteurs ici. Nous craignons beaucoup pour nos deniers publics ici. Ce n'est pas tout. L'incohérence et l'incompétence et l'amateurisme dans la gouvernance de M. Condé, c'est aussi dans la gestion de la crise sanitaire qui va jusqu'à utiliser même la religion aujourd'hui. Nous avons tous vu comment cette affaire a été gérée pendant le mois de Ramadan. L'amateurisme qui caractérise les décisions que le SCAR, l'ANSS, ont bien voulu prendre pendant ce mois de Ramadan. Sinon, on ne peut pas comprendre comment accepter les regroupements pendant les vendredis, les regroupements depuis le début du mois de Ramadan. Et parce que tout simplement, monsieur a instauré le couvre-feu de 23h à 6h, il veut que cela soit respecté. Il trouve un militant qu'il a mis à la tête du SGAR qui dit « Ouais, il faut respecter ça, il faut rester à la maison. » De toutes les façons, le prophète avait fait ses prières à la maison. Alors nous disons à M. Condé, qui sème le vent, récolte la tempête. La tempête qu'il redoute va arriver. Elle va arriver pas à 23h, mais ça sera en plein 14h. Alors, il faut dire, par rapport à la libération des détenus politiques, moi je tiens à attirer l'attention sur le fait que parmi ces détenus, sur la 400, M. Sako tout de suite a raconté comment il a été arrêté.
J'ai dit que c'est de la même façon que tout le monde a été arrêté et c'est pour les mêmes raisons. C'est parce qu'ils sont opposés au troisième mandat de M. Alpha Condé. Et parmi eux, on a des cadres. Parmi ces cadres, il y a des élus. Aujourd'hui, nous, le doyen shérif Ba nous manque au conseil communal de Ratoma. Je précise que c'est un conseil communal à la mairie de Ratoma. Je sais que de la même façon dont il nous manque, l'ancien président de la délégation spéciale de Kindia manque également au conseil communal de Kindia. C'est de la même façon que les autres conseillers. Quand on prend honorable Ousmane Gawal Diallo, qui est aujourd'hui détenu, mais moi, mon ami personnel, l'honorable Sélou Baldé, qui est le responsable direct des fédérations de l'intérieur, il nous manque. Nous avons besoin d'eux aujourd'hui. Donc c'est le moment encore de redoubler les pressions. Monsieur le Président, déjà nous vous remercions pour toutes les pressions, pour tout ce que vous êtes en train de faire en termes de diplomatie, pour la libération de ces chers messieurs. Nous vous demandons encore une fois d'en rajouter. En ce qui nous concerne, nous allons continuer, selon nos moyens, à mettre la pression selon que nous pouvons le faire. Pour terminer, je voudrais lancer un appel à mes collègues secrétaires fédéraux, à nos collaborateurs secrétaires généraux de section. Je voudrais donc les inviter à se battre, à se donner les moyens pour vulgariser cette assemblée importantissime. Puisque comme je le dis, comme je l'ai toujours dit, tout le monde n'est pas high-tech dans ce pays. Mais on peut trouver un espace où on trouve une télé reliée à un ordinateur par un câble HDMI avec une connexion de 50 000. On peut faire suivre l'assemblée virtuelle à plusieurs personnes qui ne peuvent pas manipuler leur téléphone. Faisons ça. Allons-y vers les gens. Sensibilisons le peuple de Guinée. Espère et encore continue à espérer. Mais l'espoir du peuple de Guinée repose sur nous militants et responsables de l'UFDG. Ne pensez pas que c'est pour rien qu'ils viennent toujours vers nous demander « Ah, on fait comment maintenant ?» Ils ne partent pas vers l'autre camp, ils ne partent pas vers un autre parti pour faire cette demande. C'est vers nous qu'ils viennent. Et ça, croyez-moi, c'est tous les jours. Ah, comment on fait? C'est parce que l'espoir se trouve chez nous. Et permettez-moi de dire que le sauveur, il va venir. Et le sauveur, c'est Sélou Dalein Diallo, comme le disait l'autre, Bobo Boutino Bernon, Heuti Kara. Wassalam. Merci, monsieur l'invité spécial, le fédéral de Ratoma 1. Sans plus tarder, nous allons introduire le président Elhadji Sélou Dalein Diallo pour son discours. Je vous remercie. Militantes et militants de l'UFDG, mes chers compatriotes, vous qui nous faites l'honneur de suivre cette Assemblée générale virtuelle, je voudrais vous souhaiter à tous une bonne fête. Je voudrais féliciter ceux d'entre vous auxquels Dieu a donné la volonté et le courage d'observer le jeûne pendant les 30 jours. Je vais prier avec vous, le Tout-Puissant Allah, pour qu'il exauce nos prières, qu'il efface nos péchés et qu'il accepte notre jeûne. Je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma solidarité avec ceux qui, en raison du Covid ou d'autres pathologies, n'ont pas pu
observé le carom alors qu'ils en avaient la volonté. Je voudrais également exprimer notre solidarité à tous avec nos camarades qui croupissent injustement en prison. Je pense notamment à Ousmane Gawal qui est malade, qui est dans une cabine à l'hôpital Ignace Dine, souffrant non seulement de la frustration d'être injustement condamné, mais aussi de maladies contractées lors de son séjour dans les geôles d'Alpha Condé. Je vais penser également à l'Ard Suprême, à Chérif Ba, le doyen, qui aussi est malade, qui est à l'hôpital Ignace Dine. Je vais parler de Sellou Baldé, responsable des fédérations de l'intérieur, qui était très actif dans l'action politique et dans la communication politique, qui, comme Ablaye Ba, comme Étienne Sorupogui, comme Fonipe Mangue, comme Ismaël Condé, comme Madik Sans Frontières, comme Souleymane Condé et comme tant d'autres, sont illégalement détenus depuis bientôt 7 mois. Sans aucune raison valable, sans aucune preuve, sans aucun motif, sauf leur appartenance à l'UFDG et leur engagement de se battre pour que règne en Guinée la paix du cœur. Pour que la démocratie soit une réalité, pour que l'état de droit soit une réalité, pour que les Guinéens puissent bénéficier tous des immenses potentialités économiques que la Providence a données à notre pays. Ces citoyens innocents qui sont là, qu'ils sachent qu'ils ont notre solidarité et notre soutien. Et ils n'ont pas seulement le soutien de la direction nationale de l'UFDG, c'est de tout le peuple de Guinée. Les gens sont mobilisés pour organiser des pierres, pour marquer leur solidarité avec des contributions, pour qu'ils puissent acheter leurs médicaments, pour qu'ils puissent se traiter, se nourrir, et pour que leur famille soit entretenue. Je saisis cette occasion pour féliciter tous ceux qui ont contribué, ils sont nombreux, à alimenter une caisse pour soutenir nos camarades qui sont en prison. Je suis très peiné lorsque je parle d'eux. Je suis même sous une certaine émotion parce que j'ai horreur de l'injustice. Ils sont détenus dans des conditions insoutenables. Des gens qui n'ont rien fait. Parce qu'Alpha Condé a décidé d'affaiblir, de neutraliser l'UFDG et tous les adversaires du troisième mandat. Et ils ont bien identifié leur cible. C'est des gens qui étaient actifs dans l'animation politique, dans la communication, dans l'action, et qui étaient des symboles forts de notre parti et de la lutte contre le troisième mandat. C'est ceux-là, ce sont ceux-là qui sont aujourd'hui en prison. Et on leur attribue des infractions grotesques et fallacieuses, allant de la fabrication, de la détention et du stockage d'armes de guerre à l'insurrection, à l'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Tous les mots, c'est Alpha Condé, Youssouf l'a dit tout à l'heure, c'est le juge, c'est le procureur, c'est lui la justice malheureusement. Et c'est pourquoi elle est devenue ce qu'elle est. Alpha, c'est l'homme du désordre et des conflits, je l'ai dit et je le répète. Il a semé le désordre dans la classe politique. Il a semé le désordre dans le fichier électoral. Il a semé le désordre dans les élections. Aucune règle n'est observée. Aucune discipline n'est respectée. Il a semé le désordre dans la religion. Il décide que le jour de Laylatul Qadri, que les militants ne doivent pas aller ici, ne peuvent pas faire ceci et là. Il sème le désordre. Il est en train de semer le désordre dans le sport, notamment dans le football.
C'est le désordre partout. Ils ne supportent pas qu'il y ait une organisation politique, une organisation de la société civile qu'ils ne contrôlent pas. Dès qu'il a des doutes, il faut que les hommes soient changés et qu'ils mettent des gens à sa dévotion. Il a déjà fait avec les institutions de la République. Il n'y a aucune institution indépendante. Toutes les institutions sont soumises aux caprices de M. Alpha Condé. Elles sont toutes mobilisées pour défendre son pouvoir, pour défendre le troisième mandat illégal. Et il n'y a plus aucun recours. Lorsqu'il n'y a pas une justice indépendante dans un pays, ça signifie que vous n'avez plus de recours. Et Alpha le sait. Et c'est pourquoi il a inféodé la justice. C'est pourquoi il avait chassé de la Cour constitutionnelle feu Khalifa Sall. Que Dieu ait son âme. Parce que celui-ci était opposé au tripatuage de la Constitution ou au changement de cette loi fondamentale. Tout lui est soumis. Mais l'UFDG, votre parti, notre parti, reste une force indomptable et incorruptible. Et c'est pour ça qu'il a peur de nous et qu'il veut tout faire pour nous neutraliser. C'est pourquoi il a arrêté nos cadres. Et il les accable d'infractions grotesques et fallacieuses. Mais ça ne marchera pas parce que vous êtes là, vous êtes mobilisés. Ceux qui sont sortis de prison, ils étaient là ici avant-hier. On a rompu le jeûne ensemble. Ils sont aussi déterminés qu'avant leur arrestation et leur incarcération. Et je sais que c'est votre cas. Dans le monde entier, à l'intérieur, à l'étranger, les patriotes guinéens sont mobilisés pour arrêter la dictature, pour que règne la paix, celle du cœur, dans notre pays. Que les Guinéens soient des frères, que les Guinéens puissent jouir pleinement des immenses ressources que notre pays, dont notre pays recèle. Vous savez que nous avons 30% des réserves mondiales de bauxite. Mais jusqu'à maintenant, le marché mondial n'avait pas besoin de notre bauxite. Parce que le pouvoir d'Alpha Condé pense que c'est son mérite. Non, c'est une question de conjoncture. C'est maintenant que le marché mondial ne peut plus se passer de la bauxite guinéenne. Maintenant. C'est maintenant que le marché mondial ne peut plus se passer du fer de Guinée. Et c'est pourquoi les multinationales accourent vers notre pays. Alpha profite de ça pour s'enrichir et enrichir son clan. Et bloquer la démocratie. Et bloquer l'instauration de l'état de droit. Violer impunément les droits de l'homme. Et garantir l'impunité aux criminels. Voilà pourquoi nous devons rester mobilisés. Et je suis fier d'écouter nos militants aujourd'hui. Ceux qui viennent pour saluer. Parce que c'est la fête. Parce que c'est le carême. Ils réitèrent toujours leur mobilisation. Leur engagement à répondre à tout mot d'ordre que le parti lancera. Pour protester, pour revendiquer nos droits et libertés, pour revendiquer l'exercice plein et entier de tous les droits par les citoyens guinéens. Il a divisé le pays. Il aimait dire qu'il a trouvé un pays sans État. Il a détruit l'État, il a détruit le pays. Parce qu'il a réussi. Il n'a pas réussi, ce n'est pas irréversible, à opposer les Guinéens. Mais les Guinéens ont tendance, sont maintenant en train de comprendre. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent ensemble. Les Guinéens souffrent ensemble de l'absence de recours. Ils souffrent ensemble de la misère parce que les ressources générées par l'exploitation de ces mines sont confisquées par un clan qui s'enrichit. Et alors que le peuple n'arrive pas à assurer, pour certains, même un repas par jour. Et des pauvres citoyens qui, à force d'épargner, de se serrer la ceinture, avaient construit des petites baraques où ils vivaient tranquillement, les bulldozers, les pelles et d'autres matériels de terrassement qu'Alpha avait mobilisés, ils ont détruit. Les gens ont passé le carême sans abri. Je voudrais renouveler notre solidarité avec ces sans-abri qu'Alpha a artificiellement créés. Et j'ai dit, je le répète, même une armée d'occupation ne serait pas comportée comme les autorités guinéennes. Je voudrais exprimer ma solidarité avec eux. Engagés, soyons, mes chers camarades, mes chers frères et sœurs, mes chers compatriotes, mobilisons-nous. Alpha ne fera pas de cadeaux. Ce qui l'intéresse, c'est son pouvoir et l'enrichissement de son clan. C'est à nous de défendre nos droits. C'est à nous de défendre nos droits.
Il faut qu'on soit mobilisé et je suis fier de savoir et de constater que les Guinéens sont mobilisés aujourd'hui plus qu'hier. J'ai eu le privilège d'aller au Fouta à l'occasion du décès du père de Sélou. J'ai écouté nos élus, j'ai écouté nos militants à la base. Ils sont déterminés. Nos fédérations de l'extérieur sont mobilisées. Elles sont mobilisées pour nous soutenir dans cette phase-là, pour soutenir nos prisonniers. Il faut qu'on reste mobilisé, la victoire sera de notre côté. Inch'Allah. Merci. Bon, hein. Donc vous venez d'écouter tout à l'heure l'allocution de M. le Président Elhadj Sélou Diallo Diallo. Je crois que sur cette allocution que nous allons clore, cette assemblée virtuelle de la 6e édition, je vous remercie très sincèrement pour la mobilisation. Je crois, sous la permission du président, la séance est levée.